Je m'appelle Gadi Zahori, je suis pharmacien belge et j'ai créé la société Multigé en 1990. Au départ, Multigé distribue une gamme complète de médicaments. En 2017, en Allemagne, j'ai découvert un colposcope. Cet appareil présente un avantage énorme parce qu'il est petit, il est mobile et permet de visualiser le col de l'utérus. Je voyais directement l'intérêt pour les femmes en Afrique, sachant que le cancer du col de l'utérus est un véritable tueur. Une fois qu'il s'est développé, il est très difficile de sauver la personne. D'où l'intérêt de faire de la prévention et de faire du dépistage. Et voilà ce que nous offrons. Et c'est comme ça qu'un jour, Madame Aissatou nous a contactés à travers le projet Enabel, projet Wejo. Nous sommes rencontrés plusieurs fois, elle était ici dans nos bureaux, encore récemment, et ils ont fait déjà une journée pendant laquelle ils ont vu, si je ne me trompe pas, 200 personnes. Ils ont découvert 19 personnes qui ont répondu positif aux oncoprotéines et 2 personnes avec des lésions qui ont pu être traitées sur place. La séquence, c'est d'abord dépister avec le test rapide. Ensuite, celles qui sont positives, ils passent à l'examen avec le colposcope. Au besoin, on fait le traitement immédiatement avec le thermocoagulateur. Elle est bien partie pour pouvoir réussir à faire connaître cette solution qui changera la vie de toutes les Sénégalaises et de toutes les familles au Sénégal. Je pense que ce partenariat va probablement, plus que probablement, évoluer et pourra s'agrandir vers d'autres solutions. Nous pensons déjà aujourd'hui à une solution pour le cancer du sein. Et d'un autre côté, je pense qu'avec Enabel, j'aurai vraiment à cœur de voir dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on peut faire encore ensemble vers d'autres pays? Parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche au Sénégal et que ça ne marche pas ailleurs.